Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Direction le pays le plus fermé au monde, la Corée du Nord. Les autorités de Pyongyang ont pourtant exceptionnellement donné leur autorisation à une équipe de télévision française de passer une semaine dans cette dictature implacable et mystérieuse qui célèbre cette semaine les 70 ans de sa création. Un pays qui veut montrer au monde qu'il change et se développe malgré les sanctions internationales. Fini la glorification du paysan à la faucille, les héros d'aujourd'hui sont les scientifiques et l'innovation dans tous les domaines est devenue le maître mot. Corée du Nord, le rebond, c'est un reportage de Marjolaine Grappe. Après des milliers de kilomètres à travers l'Asie, c'est ici que s'arrête la Grande Muraille de Chine, son extrémité la plus à l'est. Au-delà, s'étend une dictature fermée, retranchée, à l'écart du monde, la Corée du Nord. Une frontière de guérites, de champs tous cultivés et de villages, au loin, aux couleurs passées. Les militaires patrouillent, immuables, pour empêcher les défections. Ceux qui tentent de s'échapper risquent leur vie. La Corée du Nord nous a donné, après des mois d'attente, l'autorisation exceptionnelle de passer cette frontière, d'entrer dans cet autre monde, comprendre comment il se développe secrètement en marge du nôtre. La Corée du Nord, coupée du reste du monde par un embargo économique à chaque essai nucléaire plus sévère, est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Les autorités nord-coréennes veulent nous montrer que Pyongyang n'est plus la capitale figée d'un pays à l'économie moribonde dont la population souffre. Nous allons passer une semaine dans le pays, sous la surveillance constante de deux guides. La capitale est réservée aux familles les plus fidèles. 3 millions d'habitants sur 25 millions. Elle est le laboratoire d'une nouvelle stratégie économique depuis 6 ans, depuis que Kim Jong-un a donné ordre de développer l'économie, jusque-là exsangue, à la même vitesse que le programme nucléaire. Ravalement des façades, nouveaux quartiers et nouvelles capacités industrielles. Comme cette usine des faubourgs de Pyongyang, qui fabrique du kimchi, un chou fermenté au piment, le plat traditionnel coréen. Toute la production est mécanisée. Les ouvriers ne s'occupent plus que de l'assaisonnement, ce qui fait que nous avons besoin de moins de main-d'œuvre que lorsque nous faisions tout à la main. Joyeux de l'usine, cette salle de contrôle informatisée, en lien direct avec les universités et centres de recherche de la capitale, pour améliorer en temps réel les performances de la fabrique. C'est le système de contrôle central de notre usine de kimchi. Il permet une production optimale. Ce système est une première dans le pays. Il a été conçu grâce à une coopération entre les scientifiques du pays et les techniciens de l'usine. Visite suivante, la même salle de contrôle. Adaptée cette fois pour la nouvelle usine de chaussures modèle du régime. Ici, nous surveillons et contrôlons l'ensemble des activités de l'usine. Des usines modèles comme celle-ci, Kim Jong-un en a fait construire dans chaque secteur de l'industrie, dans le but de les répliquer progressivement ailleurs dans le pays. La clé de l'embellie économique tiendrait en deux mots, innovation et adaptation. Le pays est engagé dans sa propre version du concours Lépine. Invention phare de cette usine, cette machine, pour tester la précision des chaussures de football. Si on tourne cette molette, la direction de la chaussure change et on peut frapper la balle avec la face interne ou externe. La vitesse de rotation est calibrée par l'ordinateur, ce qui va définir la force de frappe de la balle. Toutes ces données sont enregistrées par l'ordinateur. Pour faire le test, on pose la balle ici, puis on donne le signal par ordinateur. «
cette quête de progrès, Kim Jong-un redistribue les rôles. Les héros d'hier, le paysan et sa faucille, l'ouvrier et son marteau, mais aussi l'intellectuel et son pinceau, sont éclipsés par les nouveaux héros de la nation, les scientifiques. Kim Jong-un a placé en eux tous les espoirs de survie de la dictature, en appelant aux écrivains du régime pour construire cette nouvelle mythologie. Le sujet du roman que j'écris actuellement, c'est grâce aux technologies de pointe que nous pouvons enfin construire un pays puissant. C'est aussi la ligne politique de notre pays. Ainsi, la Corée du Nord va devenir un pays capable de faire de grandes choses, avec des gens de talent. Même les paysans sont invités à apprendre la technologie en ce moment. Naturellement, les écrivains suivent l'idéologie du parti. Plutôt que de faire une simple description du quotidien des ouvriers et des paysans, comme autrefois, on s'intéresse aux hommes de talent, à la connaissance scientifique, aux personnes qui correspondent à ce qui est attendu dans ce monde globalisé. Ce jour-là, dans les couloirs de la principale université de Corée du Nord, l'université Kim Il-sung, l'ambiance est studieuse. Les 300 000 étudiants que compte le pays révisent pour l'examen national prévu le lendemain. L'appel de Kim Jong-un semble déjà marqué dans les esprits. À cause des sanctions que nous imposent les États-Unis, notre grand leader Kim Jong-un nous a donné une ligne de conduite économique indépendante. Dans ce contexte, la révolution des matériaux étant très importante, j'ai eu la volonté d'étudier la science des matériaux. De toute façon, notre pays est une puissance nucléaire qui possède des missiles, et nous avons une puissance militaire suffisamment forte pour faire face à n'importe quelle guerre provoquée par les États-Unis.